Il se bute qu'à du From Software. Il ne fait que ça. Le mec, il ne mange que ça. C'est un grand taré. Tiens, avant de... Allez! Avant de... d'acheter Horizon Zero Dawn, faut que je finisse, avant d'acheter Forbidden West, faut que je finisse Horizon Zero Dawn, avant de m'attaquer, et puis avant de m'attaquer à d'acheter Elden Ring 2. Elden Ring 2. Je sais pas pourquoi, j'arrête pas de dire Elden Ring au lieu de dire Dying Light 2. Je sais pas pourquoi. C'est bizarre. Ah bon, avant de m'attaquer à Dying Light 2, d'ailleurs, putain, à Dying Light 2 à la troisième personne, ça déchire. Enfin, en tout cas, pour un jeu qui est pas censé être à la troisième personne, Merde. Mais... Contrairement à Cyberpunk, la vue à la troisième personne de Cyberpunk est dégueulasse. Ce qui est une honte, hein. C'est vraiment... C'est des projets qui sont vraiment déconnés. Alors la ville est magnifique, hein, mais alors... La vue à la troisième personne, c'est du vomi, hein. Ils ont vraiment déconné, c'est des prolects. C'est vraiment des enculés, c'est des prolects. De ce côté-là, c'est des enculés. Autant j'aime bien leur jeu. J'aime bien... je veux dire, la ville de CD... J'aime bien, c'est vraiment... Autant les mecs, ils auraient pu mieux travailler la vue à la troisième personne. Parce que s'il y a un multi, forcément, les gens, ils vont voir les autres personnages à la troisième personne s'il y a un multi. Si les autres personnages à la troisième personne sont aussi dégueulasses que ce qu'on a vu avec le mode, je te raconte pas la merde. Hein. Donc c'est du non-respect, les mecs, ils ont fait vraiment n'importe quoi. Ils ont déconné. Ah. Ils ont vraiment manqué de respect à tout le monde. Parce que pour faire une troisième personne comme ça, ils ont pété un câble chez CD Projekt. Ils ont pété littéralement un câble. Ils en avaient vraiment plus rien à foutre. Ça les faisait chier de faire une vue à la troisième personne. Et on voit le résultat. Hein. Parce que c'est pas possible. Tu peux pas faire ça. Si tu fais un jeu multi et avoir des personnages à la troisième personne comme ça, c'est pas possible. Et s'ils avaient prévu du multi, eh ben, ils se foutent de la gueule du monde, quoi. Ils se foutent littéralement de la gueule du monde. Ils prennent les gens pour des cons, quoi. Ils manquent totalement de respect à l'être humain, quoi. C'est vraiment des enculés, quoi. Y a pas d'autre mot. Hein. C'est des bâtards. De ce côté-là, c'est des bâtards. Sinon, à part ça, le jeu, il est très bon. Mais respectez les gens. Fallait faire une troisième personne propre. Pas une troisième personne dégueulasse, quoi. Moi, quand je vois des vidéos de Dying Light 2, bah ça donne envie. Hein. Et puis la musique, putain, il y a une musique qui déchire dans le jeu. La musique, elle fait très très mal. Demandez à Troy. Ah, c'est pas par là? Oh, je pensais que c'était ici, moi. Ah non, c'est ici.
Ça donne grave envie, surtout de jouer à la troisième personne. Mais j'aime pas jouer sur PC, donc je sais pas. Mais ça donne grave envie. De toute façon, mon PC, il est pas assez puissant pour faire tourner le jeu. Mais même si j'avais un PC assez puissant pour faire tourner le jeu, je déteste jouer sur PC. Je préfère la manette PlayStation 4, déjà. Donc bon, voilà. Quoi ? Quoi ? Putain, mais... Je me suis cassé la gueule bêtement. Faut que j'aille plus haut ou que j'aille plus bas? C'est toi, Craig? Ouais, c'est moi. Je m'appelle Michael. Troy t'attend dans notre perchoir. Ça fait plaisir que tu sois là, Craig. C'est trop bien. Moi, c'est Savi. T'as besoin d'un truc technique, tu viens me voir. J'ai presque réussi à outrepasser le brouillage. Allez, viens dire bonjour à Troy. Kyle Crane, ça fait plaisir de mettre un visage sur ta voix. Tu cherches Jade Aldemir, c'est ça? Tu l'as vue? Est-ce que tu sais où elle est? Jade, ici Troy. Tu m'entends? J'écoute, Troy. Jade, ici Crane. Écoute, je sais que tu vas voir le docteur Camden, mais les zombies et les hommes de Rice encerclent sa clinique. Laisse-moi t'aider. Crane, laisse-moi tranquille. Quand j'entends ta voix, je vois mon frère. Écoute-moi, s'il te plaît. Ok? J'ai été envoyé par le GRE. J'étais censé trouver où Rice avait caché son dossier secret. Mais ça sert plus à rien maintenant que le ministère m'a contacté. Ils allaient bombarder la ville, mais je les ai convaincus d'attendre, parce qu'ils veulent les notes que tu as sur toi. Il faut absolument trouver un moyen de leur faire savoir qu'on les a. Espèce de salaud. Tu mens ! Jade ! Jade ! Merde. Crane, la dernière fois qu'on a parlé, elle était à l'université, un peu plus à l'est. S'il y a un fond de vérité dans ce que tu as dit, tu dois la retrouver. Tu devrais arrêter de perdre du temps. Ouais, il y a une mission en dessous. On va voir. Encore un truc. Rice a amené plusieurs membres de ses troupes de choc à la vieille ville. Ils sont là que depuis quelques semaines, mais ils font beaucoup de dégâts. Ils lancent des raids et terrorisent les survivants dès qu'ils le peuvent. Apparemment, Rice leur a donné l'ordre d'être aussi brutaux que possible. Et il aime que les gens sachent qu'il est là. Et ils sont bien barricadés. En plus de leur quartier général, ils utilisent deux autres lieux pour amasser du matériel. Il paraît qu'ils ont un sacré butin. J'aurais bien besoin de matériel. Tu nous rendrais un grand service. Où sont les avant-postes? Il y en a un dans un immeuble de bureau, et l'autre dans une station radio. Je vais peut-être aller voir.
Récompenser l'exploration, n'importe quoi. Allez vous faire foutre. Moi, ce que je veux, c'est de la narration. J'emmerde l'exploration. Je lui pisse à l'arrêt. De toute façon, il suffit juste de virer tout sur la carte dans un jeu Ubisoft et voilà, tu l'as ton exploration de merde. Qu'est-ce que tu nous casses les couilles, sérieux? Enfin, c'est ridicule. T'as juste à tout enlever sur la carte. Hop là, tu l'as ton exploration. Voilà, tu vires toutes les annotations qui sont sur la carte. Que ce soit les Assassin's Creed ou les... Et tu l'as ton putain, ta putain d'exploration, donc je comprends pas trop le délire, quoi. Ou Immortal Phoenix Rising, voilà, rien ne t'empêche de tout virer sur la carte, et c'est ça qui te fait plaisir. Moi, ça m'intéresse pas, ce genre de conneries. Moi, je suis là pour suivre une histoire, moi. Pas pour me faire chier à explorer comme un con. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, par contre, ça, j'aime bien nettoyer des trucs, ça. Alors, voyons comment ça marche. Quelqu'un m'entend? C'est Daoul. Je suis avec un petit enfant. On a besoin d'aide. Ils m'ont mordu. Je me transforme, s'il vous plaît. On est dans un immeuble résidentiel. Crane, c'est Troy. Vas-y, Troy. On a discuté de la façon de percer ce brouillage radio. Savi a une idée. Il va continuer à plancher dessus pendant que tu cherches Jade. A plus, Crane. Et si je peux te donner un conseil, essaie d'éviter autant que possible les infectés, ok? Ils ont toujours été dangereux, mais maintenant ces enfoirés sont plus costauds que jamais. Mais quel enfoiré! Alors... Non! Putain, je vois même pas le sol, quoi. Ah, c'est par ici. C'est carrément mieux à la troisième personne, sauf quand il combat. Là, c'est pourri, mais sinon... La troisième personne, c'est excellent, quoi. Dynet à la troisième personne, ça déchire. Ouais. Ah, c'est ici. Et dire que l'autre arme, elle risque d'être encore plus puissante, quoi. Ouais. Ouais. Ok. Reste par terre. Bien niquer ta mère.
Ok. Ouf. Salut, au revoir. Oui. D'accord. Mais encore. J'ai bloqué la porte. On est enfin safe. Elle est où le sac? Il est là. On va un peu... vider un peu tout ça. Alors, voyons un peu ça. Non. Ah, le 200. Ah ouais. Hop, ça dégage. Ouais, j'ai des bonnes pioches là. J'ai pas des pioches de PD. C'est pas des pioches de PD. Donc, auto-modifié, on garde. Tout ce qui est modifié, on garde. Par contre, je crois que j'ai un truc qui est bousillé. La SERP 106. Pour l'instant, on dégage le fusil aussi. Ça sert à rien d'en garder un milliard. Ouais, j'en garde un quand même, un petit. Et j'ai deux pioches. On va virer celle-ci. La planche UV, la torche UV, on peut pas la dégager. Bon, ça, ce truc-là, je sais pas... je sais pas ce que c'est. Bon, voyons comment ça fait. Ah ben voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai déposé. J'ai déposé. J'ai flippé, je crois que j'avais... Hop là. Ok, c'est bon. Non, attends, j'ai compris. Déposer... 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 On peut pas réorganiser le truc? Voilà. Hop. Et hop, voilà, comme ça. Je sais pas si on pouvait réorganiser mieux que ça, je sais pas. Je ne vois pas. Ah, ça, je vais la modifier, ça. Ça, c'est des objets de valeur, on s'en fout. J'ai modifié la pioche en quoi? Pioche primitive modifiée. Oui, mais je l'ai modifiée en quoi? Clé Benjamin, plancha et... poison d'esquiveur.
mon chat. Ah ouais, 89, ok. Poison d'esquiveur, 37. 37 de plus. À 49. Ah, rigole pas. Et le dernier... C'est quoi le dernier? Clé Benjamin. Bon ben, plancha, hein. Ouais, plancha, ouais, plancha. Y a pas photo, c'est plancha. C'est pas fini. C'est pas fini. Champion. Screamer. Ouais, résistance, plus 2. Ouais, comment je fais pour sortir d'ici, moi? D'accord. Ça rigole pas, hein. Ouais, on met celui-là. Ok, 125. Alors, voyons ça. Il y en a une là. Qu'est-ce que c'est que ça? Aidez-moi. Aidez machin. C'est quoi ça? Parachutage. Vas-y, fais péter. Thank you.
Oh, sale fils de pute. Laisse tomber. Allez. Allez par ici. Mais merde. Ah, c'est fini. Arrête ton cinéma de chien en chaleur. Merde. Bah, vas-y, grimpe. Tu fais? Mais grimpe, putain! Non! Je comprends pourquoi il y a des développeurs qui décident de faire leur jeu à la troisième personne, à la première personne. Ça, c'est tellement plus stylé à la troisième personne. Putain, sérieux quoi? Non? Si? Non. Ah. Hein? Oh! Je sais. C'est pas ta mijaurée. Allez, viens qu'on en finisse. C'est une remarque homophobe, c'est pas gentil. Non. Il est méchant, ce monsieur. Il est très pas gentil.
Merde. Pourquoi j'ai pris ça, moi? Ok. Par contre, la planche, elle va dégager la planche. J'ai pris une planche là. Ouais, ça, ça dégage. Merde, j'ai déjà plus rien. Ah, si, c'est bon. Et merde. J'arrête de secouer la manette comme ça. Je dois dégager les zombies. Les zombies. T'es sérieux? Pourquoi je peux pas récupérer? Il y a de l'alcool à gogo et des rubans et tout, je peux pas les récupérer? Ça n'a aucun sens. Les zombies. Et merde. Ah merde, dommage le bug de... Esquiver, je fonce sur lui, c'est quoi ce bordel? Mais... Ah putain...
Où ce bâtard? Et où ce bâtard? Il y a des mecs. Ah, c'est bon, j'ai sécurisé la zone. Faut que j'aille dormir, je suis fatigué. Il y a deux cadavres qui traînent, mais sinon à part ça, c'est plutôt cool. Alors, c'est soit la fille, soit la mère. Non, je crois que c'est la fille. Je crois que c'est la fille. Alors, je trouve les visages des deux gonzesses pas très réalistes. Par contre, le visage du père, il est plutôt réaliste. Bon, je me casse d'ici, moi. Next. Voyons un peu ça. Piétinement, ouais, pourquoi pas. À mesure que vous... Ok, c'est plus de dégâts. D'accord, ok. Vas-y, piétinement. L1 pour piétiner. The Rock City Boy. Eh merde. Ah, fait chier, je... Bon, laisse tomber. Merde. Culé de ta race. Ah, c'est insupportable. Non?
Je fais comment pour sauter sur... Utiliser là. Appuyez sur R1 à proximité de... Ouais. What? Faut aussi? Ah d'accord, lui aussi. Mais merde! C'est quoi ce bordel? Oh. Wow, wow, qu'est-ce qui... Mais merde, c'est quoi ce bordel? Voilà. Ah, ça fait plaisir. Ah ouais, ça va bien m'aider, ça.
Merde, j'ai pris quoi? Enfin, je veux dire, c'est... C'est ça que j'ai pris? 106? Ouais, bof. 108? C'est pas foufou tout ça. Je veux m'en débarrasser. Putain de bordel. Ah d'accord. Ok. Hein? Ah non, c'est l'échelle. Je pensais que c'était un bug. Allez, mais... Ça va pas taper tout de suite. Enregistre... Attends. C'est quoi ça? Ah, attends, j'ai un vocal. C'est où les vocales? Ah, ça doit être ça. Ouais. Mon amour, j'enregistre ça pendant que tu dors. Je pars à la recherche d'un meilleur abri et de provisions. Peut-être que je ne reviendrai pas. Dans ce cas, file vers le nord, vers les vieux quartiers. Trouve-y un refuge. Ne m'attends pas plus de 48 heures. Je ferai de mon mieux pour te rejoindre. Je t'aime. Ok. J'avais pas vu un... Le bouton carré apparaître... Non, c'est pas possible. Bah, ici, c'est safe maintenant. Y'a plus personne. Ah, c'est ici, ok. Alors, voyons un peu ça. 147. Ouais. Je vais la garder la barre. Elle m'a l'air bien puissante. D'ailleurs, je vais la modifier. Fusil. On va garder. Ça, on va garder évidemment. C'est l'arme la plus puissante. Je ne l'ai pas encore utilisée. Mais elle va faire de sacrés dégâts. 125 et ça. 150. On va virer la barre. On va virer cette bière là. Cette barre. Ça je vais la garder pour l'instant jusqu'à ce qu'elle crève. Ça aussi. Fossile. Achète. Achète modifiée, je la garde. Serpe. Les couteaux, je garde. Je crois que c'est bon, je garde tout. Thank you.
Ensuite, je vais aller me coucher, moi, je suis fatigué. Ouais, on va continuer la quête principale. Ok. Non! C'est ça qu'on aime. Là, tu peux grimper partout. Comme Assassin's Creed. Comme les Assassin's Creed Syndicate, où tu peux grimper partout. Je sais pas ce que j'ai foutu. Excuse-moi, je cherche une nana appelée Jade Aldemir. Brune, cheveux longs, dur à cuire. Ouais, je l'ai vu parler à je sais plus qui là-bas. Merci. C'est quoi cette description qui n'a aucun sens ? Jade ? Jade ? T'es là ? Tu es qui ? Tu veux quoi ? Aucun signe de Jade. Merde. Ça t'intéresse ? Plan pour faire des flèches, c'est plutôt intéressant, non? Est-ce que ça vaut le coup? Oh, allez, je le prends, fuck, c'est pas grave. Ah bah tiens, je vais vendre des trucs aussi. Ça fait longtemps que j'ai pas vendu des trucs. Parce que bon, c'est bien gentil d'avoir. Ah ouais, 79. Bon, par contre, ça coûte très cher. Hein. Ah, 166 264 Mais non. Par contre, ce que j'aimerais bien avoir, c'est de la gaz, bordel de merde. Ça, j'en trouve pas. J'ai du mal à en trouver de la gaz. Et ils ont pas de gaz, ces fils de pute. C'est ça que j'aimerais. De la gaz, bande de bâtards. J'aimerais bien avoir de la gaz. Bande de chiens galeux, j'ai aucune gaz. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai du mal à trouver. Même en crapahutant partout. C'est lui ? Ouais, c'est lui. Excuse-moi, tu peux m'aider ? Je cherche une jeune femme, brune, fine, du genre à passer sans merder. Elle s'appelle Jade Aldemir. Oui, elle était ici. Tu l'as loupée de peu. Elle est restée là assez longtemps à faire la gueule. Et puis, elle est partie. Oh putain. Elle t'a dit où elle allait ? Non. Mais tu es Crane. Elle a laissé ça pour toi. C'est Amir. Pourquoi elle m'a laissé ça ? Bah, je sais pas trop. Mais elle m'a dit de te dire une fois.
mais pas d'eux. Je sais pas ce que ça veut dire. Moi non plus, je sais pas ce que ça veut dire. Et moi, je vais m'arrêter là. Putain, oh là là, il y a trop de quêtes, là. Ah non, il y en a que 4. Ouais, mais c'est déjà trop. Et aussi, c'est des quêtes de merde, en plus. Là, c'est des quêtes à la con, en plus. C'est des quêtes pourries. Mort Norris. Ouais, je vais m'arrêter là, moi. J'en peux plus. Je suis fatigué.